Kriegnert, voor wie 30 jaar geleden de situatie in Molenbeek was helemaal anders. Dat was meer lugubre, dat waren niet bepaalde parken. En nu meer en meer, we hebben plaatsen waar de jongeren gaan, maar ook de volwassenen. Et c'est très important aussi d'avoir cette place, car au fond, si on parle d'une cohésion sociale, la cohésion sociale voit aussi l'espace public. Mon point de vue d'auteur dans ce film, c'était essayer de traduire à partir de toute cette hétérogénéité ce que j'appelle moi un esprit bruxellois. Et l'esprit bruxellois, c'est quand même dans le bordel général dans lequel on est plongé toujours dans cette ville, de vouloir quand même prendre plaisir à y vivre, et même pas de vouloir, de finalement quand même y vivre avec un certain plaisir. Et ce plaisir est particulier, il vient aussi avec une forme de moquerie, de dérision, d'autodérision. Un jour m'est venue cette idée en lisant une phrase de Walter Benjamin, un philosophe qui m'avait frappé, où il disait « La rue, c'est l'appartement du collectif ». Et ça a tilté dans ma tête, toujours avec ces associations qui surgissent dans l'imagination de la création. Et je me suis dit « Tiens, si je faisais un film sur Bruxelles du point de vue de quelques-unes de ses rues et de ses espaces urbains. » Moi, j'ai essayé de donner et de créer une forme d'émotion particulière à travers une interrogation qui peut paraître au départ extrêmement intellectuelle et conceptuelle. Et donc, dans ce cadre-là, je suis plutôt comme un passeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des débats, mais où mon point de vue est lié à ceux des autres. Je ne suis pas là, moi, pour venir avec un discours où je sais ce que doit devenir l'espace urbain. Moi, je me vois plutôt comme un relais, quelqu'un qui vient avec un film pour tendre une perche et dire « Maintenant, vous avez aussi ce film-là pour discuter ». Très vite est venu le principe d'une traversée, d'où le titre Bruxelles, Bruxelles, une traversée urbaine. Il s'agissait pour moi de choisir un certain nombre de quartiers, de rues, de boulevards, de places qui faisaient question pour moi. Et comment j'ai choisi ces rues et ces quartiers, non pas simplement par goût subjectif, et du fait que je les connaissais ou des choses comme ça, mais surtout parce que pour moi, la rue, elle a une spécificité très particulière, c'est qu'elle est transversale. Elle a un passé, quel qu'elle soit, elle a un présent dans lequel on est quand on foule les pavés ou le trottoir d'une rue, et elle a un futur. Que va-t-elle devenir dans l'avenir? Et aujourd'hui, les espaces urbains, on en reparlera certainement, vivent une véritable mutation et un véritable basculement. Et il y a quelques intervenants et intervenantes qui reviennent là-dessus d'une manière assez judicieuse dans le film, mais c'est aussi traduit par les personnages et les personnalités diverses qui ont été choisies et rencontrées. Je me suis refusé dès le départ d'aller chercher des interlocuteurs qui seraient des experts et des spécialistes de l'espace urbain, et il y en a beaucoup dans le monde, ou en France, ou en Angleterre, ou en Suède. Je voulais travailler uniquement avec des interlocuteurs et des interlocutrices de notre ville. Et voilà, nous sommes sur la place Sainte-Catherine,
qui est un lieu emblématique dans l'histoire de Bruxelles. C'est en fait le seul endroit dans la ville où on peut raconter toute l'histoire des communications de la ville avec le monde extérieur sans quitter les lieux. Je me rends compte à quel point on connaît peu notre propre passé urbain. C'est quand même impressionnant de comprendre que cette ville a été traversée par une rivière pendant des centaines et des centaines d'années et qu'aujourd'hui cette rivière est ici sous nos pieds. Elle n'a pas disparu, elle est en dessous de nos pieds. Et que ça a changé complètement la manière, en voûtant la ville, en voûtant la rivière, ça a changé complètement notre appréhension des rues et de l'espace urbain. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même quelque chose, un phénomène que je ne savais pas, c'est que jusqu'en 1930, tout le monde marche sur la rue. Ce n'est qu'en 1930 qu'il y a eu des arrêtés qui ont décidé que le citoyen ne pouvait plus marcher sur la rue, qu'il devait marcher sur des trottoirs, et qui devait traverser là où il y avait des passages cloutés. Mais donc ça veut dire que pendant des centaines d'années, tout le monde marchait partout. Et donc quand on est dans la rue, c'était pour faire un brin de causette, c'était pour rencontrer des gens, c'est pour regarder une animation. Aujourd'hui, aller dans la rue, c'est pour aller d'un point A à un point B. Et aujourd'hui, avec le reflux d'automobile, on retrouve ce qui avait disparu depuis une centaine ou 200 ans. On retrouve peut-être, on va peut-être retrouver l'esprit de la promenade et la flânerie qui avait disparu. J'ai aussi appris des choses sur le présent de la rue, c'est-à-dire les enjeux que pose aujourd'hui, par exemple, la piétonnisation. Cette place Fontenasse qui est ici tout près, quelle identité va-t-elle prendre dans l'avenir? Pourquoi est-ce que j'ai fait à un moment donné dans une des séquences du film une rencontre d'un comité de quartier avec le bourgmestre de la ville? Parce que c'est par ce type de rencontre où on peut aussi peut-être peser et pas simplement dire le politique dans son univers et dans sa bulle, le citoyen dans l'autre et puis l'écart qui est aujourd'hui flagrant, qui est de plus en plus large entre les deux, quitte alors à engager et à entraîner des clivages terribles. La question démocratique se pose d'une manière frontale, quelque part. De comment est-ce qu'on fait pour gérer cet aspect où la majorité impose un point de vue? Comment est-ce qu'on tranche? Et l'espace public, comme dit l'une de mes intervenantes, quand on parle espace public, on parle cohésion sociale. Et donc, comment cette cohésion sociale se construit aujourd'hui à Bruxelles, vu la multiculturalité de la ville, vu les 187 nationalités qui existent, vu le fait qu'on est la capitale de l'Europe, le nombre de manifestations, etc. et tout, comment est-ce qu'on conjugue et qu'on va conjuguer tout ça dans l'avenir? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.